Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de... Mon beau et très cher Anto Sensei, j'étais posé dans le bendo au calme, j'étais en train de draguer une fille, et elle m'a dit qu'elle voudrait bien sortir avec moi si j'arrive à lui trouver des animés yuri ultra stylés à regarder, mais je sais même pas ce que c'est des animés yuri, tu peux m'aider s'il te plaît? Alors le yuri, mon petit Donald Trunk, c'est un genre dans les animés et mangas montrant des relations entre femmes, donc elles peuvent être sentimentales ou sexuelles. D'ailleurs, tu m'as donné une idée de vidéo. Aujourd'hui les gens, je vais vous montrer mon top de mes meilleurs animés de yuri. Sur ce, let's go! Tsukiboshi. Cet anime aurait pu être facilement dans le top 3 de mes meilleurs animés de yuri, mais malheureusement il ne comporte que 2 épisodes, du coup t'auras l'impression de rester sur ta faim en le regardant. Kiko est une jeune fille normale, ou plutôt presque normale, en effet elle a une toute petite particularité. Suite à un accident de voiture, elle a gagné la possibilité d'user de la télékinésie. Ouais bon, j'avoue c'est illogique mais t'inquiète. Mais à part ce fait, elle est amoureuse d'Aya, une fille de sa classe assez populaire. Cette dernière va se rapprocher d'elle en devenant son cobaye pour ses expériences sur son don de télékinésie. Nous suivrons ainsi nos 2 jeunes héroïnes dans leur relation. Bon, je peux pas te faire un résumé aussi long que les prochains animés que je vais te présenter à cause, tu t'en doutes, du peu d'épisodes de cette série, mais tu dois absolument la regarder. Si t'aimes le yuri, tu vas pas du tout t'ennuyer. Tu verras également que notre fille presque parfaite cache elle aussi un lourd secret à porter qui va mettre de nombreuses embûches à leur relation. Plus tu regarderas cet animé, plus tu seras épaté. Cet animé va te mettre des fins de malade. En plus de ça, pour ceux qui adorent ça, tu verras du presque hentai. Les scènes seront suggérées et te feront comprendre ce qu'il se passe, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, je déconseille cet animé aux personnes âgées de moins de 16 ans. Donc si t'es trop jeune, grandis vite et va t'aimer cet animé. Bande d'amis, Akari, Yui et Kyoko. Ces dernières déboulent au collège et vont reprendre une ancienne salle de club de thé pour créer leur propre club, le club de loisirs. Un club ayant pour objectif de ne rien faire. Cependant, ça ne sera pas sans compter l'arrivée du conseil étudiant qui va décider de se débarrasser de ce club inutile à leurs yeux. Il me semble que dans cet animé, à aucun moment tu ne verras un garçon rentrer dans l'histoire. Tu seras entièrement plongé dans un monde constitué de femmes, et en plus de ça, chaque fille du groupe aura sa propre groupie. Donc si t'es du genre à kiffer voir plusieurs couples dans les animés, cet animé est fait pour toi. Il est aussi bourré d'humour, donc tu t'ennuieras pas en le regardant. Tu verras que rire et enjaillement seront présents en le visionnant. Strawberry Panic. Aoi Nagisa est une jeune fille dont les parents ont été mutés à l'étranger. Elle est donc transférée en cours d'année à Astrea, un établissement réservé uniquement aux femmes que sa mère a fréquenté à son âge. Malheureusement, notre héroïne est un gigaboulet. En effet, elle commet erreur sur erreur dès son premier jour d'entrée dans sa nouvelle école. Cette dernière, en retard pour aller en cours, va trébucher et débucher sur une forêt. Au lieu de retourner sur ses pas, notre héroïne, pourtant ultra en retard, va rentrer dans la forêt. Cette dernière rencontrera comme par hasard la fille la plus populaire de l'école, Shizuma Hanazono, ou plus communément connue sous le pseudonyme d'Étoile. Ainsi, cette dernière, juste en regardant notre héroïne, va la paralyser et se mettra à l'embrasser. Notre héroïne va perdre connaissance et se retrouvera dans la chambre de son dortoir. Nous suivrons ainsi la relation entre notre héroïne, une fille ultra gaffeuse, et Étoile, celle aimée de tous. Thank you.
Sakura Trick. L'histoire nous entraîne aux côtés de deux amis inséparables qui se retrouveront dans la même classe à nouveau. Cependant, pour ne pas perdre leur lien de meilleurs amis et se créer un souvenir inoubliable, ces dernières vont décider, devine quoi, de s'embrasser comme jamais. Cependant, parce qu'il faut toujours un cependant, une relation plus qu'amicale va se développer après cette action au sein de notre duo d'amis. Nous les suivrons donc ainsi dans leur quotidien et surtout dans leur tentative d'en savoir plus sur les sentiments qu'elles partagent. Alors là, contrairement à ce que je pensais, c'est pas aussi niais que ce que je m'attendais. En réalité, grâce à l'événement du kiss au tout début de la série, l'anime a d'office détruit certains tabous et a forcé nos héroïnes à évoluer plus rapidement que les couples habituels qu'on voit généralement dans la majorité des shoujo où, on va pas se mentir, c'est souvent à la toute fin qu'on a le fameux kiss ou que nos héros se mettent en couple. Akuma no Riddle. Alors là, c'est le Yuri le plus original de la vidéo. L'histoire se déroule à l'académie privée Myojo, une académie réservée aux jeunes filles. Cependant, les élèves de la classe Kurugumi ont toute une petite particularité. Bon, rien de bien ouf, hein. En fait, ce sont juste des putains d'assassins. En réalité, ces assassins composés uniquement de filles ont toutes une seule et même cible, Haruka Ichinose. Nous suivrons le quotidien de Tokaku Azuma, une étudiante fraîchement transférée qui vise également Ichinose. Cependant, à force de la fréquenter, cette dernière va commencer à éprouver certains sentiments envers Ichinose et va peut-être se mettre à revoir ses priorités. Alors cet animé, c'est de la bonne. Si t'adores l'action, cet animé va énormément t'intéresser. De plus, en le regardant, tu te poseras énormément de questions qui contribueront à nourrir le suspense tout au long des épisodes. En effet, pourquoi ces assassins veulent tout tuer la même fille? Qui est cette fameuse fille? Et surtout, pourquoi est-elle venue dans cette école? J'ai hésité à le mettre en première place tellement cet animé m'a plu, mais tu verras que le premier a volé mon cœur. Citrus, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yuzu, une jeune lycéenne qui, suite au remariage de sa mère, va déménager dans une autre ville. Cette dernière va atterrir dans un lycée pour filles ultra strict. Ainsi, elle qui adore se maquiller et porter des tenues à la pointe de la mode, elle va se voir obligée de mettre un uniforme et surtout d'oublier les garçons, puisqu'elle intégrera un lycée exclusivement réservé aux filles. Et son calvaire n'est pas fini. En effet, le nouveau mari de sa mère a comme par hasard une fille du même âge que notre héroïne principale. Ainsi, Yuzu va découvrir sa nouvelle petite sœur, Mei Aira, la présidente du conseil des élèves et petite fille du directeur du nouveau lycée de Yuzu. Ainsi, notre Yuzu va devoir s'adapter dans un lieu où la rigueur et le respect des règles sont des choses cruciales. Cependant, contrairement à ce que tu pourrais croire, ce sera celle qui semblera être la plus stricte dans sa vie qui s'avérera être la plus coquine. Cet anime m'a grave enjaillé. En plus de Yuri, il abordera d'autres thématiques assez importantes, ce qui fait que t'auras pas le temps de t'ennuyer avec une histoire qui dure 3 siècles sur des filles qui s'aiment mais qui veulent pas se l'avouer. Ici, dès le premier épisode, on aura un kiss entre nos héroïnes, un peu comme dans Sakura Trick. Bien évidemment, elles seront novices dans le domaine, cependant elles avanceront vite dans leur relation et surtout, elles se retrouveront en face avec d'autres problèmes extérieurs à leur relation sentimentale. En bref, tu suivras réellement la vie de deux jeunes lycéennes qui se découvrent l'une l'autre et ont leurs propres problèmes. Be nothing, living all alone.
Et voilà, la vidéo est finie. N'hésite pas à t'abonner, ça prend 30 secondes. Lâche aussi un gros like si la vidéo t'a plu, ça fait super plaisir. N'hésite également pas à me suivre sur Twitter, je vais devenir de plus en plus actif dessus. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.